Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur PC et on est sur Planet Coaster. Donc vous voyez, on a une création de personnages. Alors j'aimais beaucoup les Roller Coaster Tycoon, le 3 surtout. Et donc j'ai décidé que j'allais vous faire une petite vidéo sur ce Planet Coaster. On va le découvrir ensemble en fait, donc vous attendez pas à voir des créations de malades et voir vraiment un tour en profondeur de toutes les possibilités, parce que c'est pas possible vu comment le moteur de création et tout est énorme. Peut-être dans une autre vidéo, on fera un tour d'un parc construit par quelqu'un ou quoi. Enfin, vraiment un mec qui a plein d'idées et qui a fait plein de choses. Pour que vous puissiez voir jusqu'où on peut aller avec le moteur de création. Mais ce sera pas dans cette vidéo. Donc ça commence par la création d'un avatar. Donc c'est sorti là, en version définitive, on va dire le 17 novembre. Mais c'était sorti avant. Enfin, je crois qu'il y avait une espèce de financement bizarre. C'était foutu bizarrement. Et du coup, j'avais pas acheté avant. On va lui faire un truc qui me ressemble pas du tout parce qu'il n'y a pas... Voilà, on va faire ça vite fait. Après tout, c'est pas important. On va juste lui changer ça parce que là, c'est très moche par contre. Non, je veux juste en fait changer la couleur. On va faire quoi? On va faire du bleu. Ouais, allez. On va faire du bleu. Et puis, on peut pas lui mettre un, voilà, un froc plutôt parce que bon... pas l'air con avec ça. Allez, on va mettre du noir. Voilà, terminé. Allez, on accepte, on se dépêche. Donc ouais, il y avait un truc bizarre et je me suis dit je vais attendre de voir ce que ça donne. Oui, je vais continuer. Je vais attendre de voir ce que ça donne avant de l'acheter et de me faire un avis. Alors par contre, je vais monter un peu le son. Parce que j'ai pas beaucoup de sons. Vous voyez, il y a plein de créateurs et tout. Et donc, on peut aller dans le Steam Workshop pour aller chercher des trucs. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la carrière. Comme ça, on aura peut-être déjà un début de parc. Quelque chose de déjà construit. Et on va commencer à... Dans un autre mode de jeu. Non, bah allez, on va y aller. Comme ça, on va voir ce que ça donne un petit peu. Donc, on est sur PC. Donc là, on est sur un i5 3570K, 8Go de RAM et une 960 GTX en édition overclockée 4Go, je crois. C'est ça, ouais, c'est 4Go. Je suis en train de me refaire un PC. Un truc costaud. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais déménager le week-end prochain. Le mois prochain. Donc, on va dire que pour l'instant, c'est un petit peu de côté. Parce qu'il y a des choses de la vie qui font que c'est un peu plus important et prioritaire que le PC. Donc c'est un petit peu de côté pour l'instant, mais on va voir ce que ça donne. Normalement, avec cette config, ça devrait déjà tourner correctement, donc il n'y a pas de raison. Voilà, alors je m'excuse aussi d'avance si j'ai le fauteuil qui grince, mais ça c'est le souci quand je fais des vidéos sur PC. J'en fais pas beaucoup maintenant en ce moment, enfin depuis quelques temps, mais... Mais donc c'est le problème. Alors, bienvenue à bord de Planet Coaster Moussaillon. Prenez la barre de ce parc d'attractions qui met la piraterie à l'honneur pour achever son développement, attirer les foules et veiller à ce que tous les visiteurs vivent une aventure aussi mémorable qu'explosive. Alors, en facile, il faut attirer 800 visiteurs et construire 2 attractions. En moyen, 900 et construire 4 attractions. Et en difficile, 1100 et amasser 15 000, ok, donc vous voyez, j'ai 5 000 qui rentrent pour l'instant, ok, on peut fermer les objectifs là, alors attendez, j'essaye, voilà, de m'habituer, j'ai ma molette qui voulait pas cliquer, je sais pas pourquoi elle était bloquée, j'essaye, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt assez joli, vous voyez, et donc cette config suffit largement, hein, puisque vous voyez que c'est fluide, alors après je suis désolé, je descends un peu vite, du coup, je traverse un peu le sol, mais bon, on va aller voir de plus près. Ouais, je peux juste enlever ça, s'il vous plaît. Par contre, ah, faut cliquer, un clic droit pour se déplacer comme ça. C'est des choses, j'y suis plus habitué. On va aller voir un petit peu là les détails et tout.
voyez, c'est plutôt sympa quand même. Donc je vous dis, c'est vraiment un tour vite fait, hein, ce qu'on va faire. Par contre, ça, oh là, c'est inversé. Je vais aller voir si on peut changer ça dans les paramètres. Ça ne me plaît pas trop. Commande. Commande de la souris. On peut pas changer ça. Non. Ou alors j'ai mal lu, mais j'ai pas l'impression. Bon, tant pis. Je verrai ça après. Ou alors je prendrai le coup de main, c'est pas bien grave. C'est... On a vraiment l'impression d'être devant un roller coaster, mais version plus jolie. Beaucoup plus jolie quand même. Donc là, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le monster? C'est ça là? Ça c'est le IC. Alors je suis désolé, il y a tous les trucs Steam qui s'affichent là. Le Octopus, c'est trop long. Comment on peut faire? Temps d'attente. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a moyen, éventuellement? De faire un truc pour améliorer la file d'attente, que ce soit moins long. Ah, du coup, ça va être un peu le bordel parce que je connais pas le jeu. Je le découvre en même temps. Donc, donc ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer d'améliorer ça? Ben moi, j'aimerais bien pouvoir améliorer ce système-là, mais cette file d'attente. Mais là, je ne vois pas comment on peut faire. Ou alors, il faudrait leur mettre des trucs autour. Comment on fait? Des décors, quelque chose. Des trucs qui leur donnent l'impression de... On va faire ça comme ça, on va essayer de mettre des petits trucs, voilà, des petits décors, je sais pas, qui leur donnent l'impression de moins attendre. Je sais pas comment on peut faire pour l'instant. Je ne vois pas trop. En fait, pendant un moment, de ce que je me souviens dans les... Ce que j'avais vu comme vidéo au départ, quand il était encore en bêta, entre guillemets, c'est qu'à un moment donné, on avait un mode genre bac à sable où on pouvait construire comme on voulait et tout, et il n'y avait aucune gestion, rien du tout de disponible dans le jeu. Et du coup, bah, c'était assez, assez basique, mais bon, on était sur une bêta, donc c'était tout à fait normal. Ce que je vais faire là. C'est que je vais prendre un chemin comme celui-là. On va le faire aller comme ça. Là, c'est bon. Et on va aller dans... Attraction sur rail, on peut pas ? J'en ai pas. Ah, il faut faire des recherches pour en découvrir. Attraction. Qu'est-ce qu'on peut mettre?
Un deuxième octopus, non. Quand même. On peut mettre ce machin. Ce machin qui, moi, personnellement... me tuerait... instantanément. Alors, on peut le pivoter avec le W. Ok. On va le placer comme ça. On peut placer l'entrée... ici. Et placer la sortie... ici. Là, il faut qu'on retourne dans l'allée. Ça va pas, ça. Voilà. Alors, pourquoi je ne peux pas faire une allée. Moi, ce que je voudrais, c'est faire un petit chemin bien droit. Vous savez, je suis un peu toqué, moi. Et le souci... c'est que là, mon chemin, il est pas droit. Et donc, ça ne me plaît pas. J'ai du mal avec cette souris, là. Ça me plaît pas trop, ces commandes non plus, là. Jusqu'à l'entrée du bordel là, c'est pas possible d'aller jusqu'à l'entrée du truc, comment ils ont fait là-bas? Pourtant, ils ont réussi là-bas. Faut que je mette un escalier, quelque chose, on peut faire ça. Ah, des files d'attente. Attendez. Je découvre ça comme un gros noob, hein. D'accord. Effectivement, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Et donc là, par contre, à la sortie, je peux mettre une allée normale. Alors, oui. Je suis un petit peu con des fois, hein. Je m'en voulais pas. Alors, par contre... on va peut-être mettre quelques trucs autour, quelques décors, parce que là... est-ce qu'on peut le pivoter, lui? On va le pivoter. Hop, on va mettre quelques trucs comme ça. Alors là, je vous fais vraiment ça à l'arrache. Mais c'est vraiment histoire de dire, voilà, on fait un petit truc, on met quelques décors autour, on... on met quelques décors, voilà, on fait quelques petits trucs, mais bon... voilà, ce sera très moche. Allez, hop. Maintenant ce machin, on va l'ouvrir. Et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une grosse vidéo, c'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est... voilà. Moi, il faut que j'y joue un peu de mon côté et tout pour bien me rendre compte du truc et... elle est dans le bon sens là? Ah non. Donc faut que je la pivote. C'est de la bouffe, hein. Souvenir, on n'a pas pour l'instant. On fait des bénéfices. Bon, c'est déjà ça.
On va mettre des toilettes pirates à cet endroit-là. C'est bien, regardez, ça continue la route. Ah, on va mettre des chiottes pirates ici. On peut lancer la recherche. Dans les montagnes russes, tiens. Ça coûte de l'argent. Et je pense que... Voilà, plus on met, et plus ça va vite. Environ 90 jours. Et si je change, par exemple... Et que je mets ça... 45 jours. Je suis fou. Est-ce que on peut refaire la caméra de l'attraction? Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Ah, ici. Vous voyez, on peut vraiment tourner autour de son attraction. Et on peut se mettre dedans. Oh la gueule. Eh oui, tu vas mourir là-dedans, mon gars. Je vais dégager un peu l'oreille du casque parce que j'ai l'impression de gueuler dans le micro. Donc j'aurais dû jouer un petit peu au jeu avant quand même pour pas faire des trucs trop nazes comme ça, mais bon. Ah, moi je vous annonce, je serais déjà décédé depuis un moment là-dedans. Voilà, on peut quitter ce truc-là. Donc après, évidemment, voilà, faut décorer, faut faire plein de choses. Il faut... J'ai même pas fait gaffe où était l'entrée de ce parc, hein, au fait. Il y a des gens qui arrivent de là. C'est là l'entrée? Porte d'entrée du parc. Effectivement, c'est là. Bon. Il y a un truc de carte bleue ici. De billets, pardon. Un truc de carte bleue. N'importe quoi. Un distributeur ici. Ça me gêne un peu de devoir cliquer pour avancer. Là, il y a beaucoup de décors et tout. C'est quand même bien foutu. Cette partie-là est jolie, en fait. Ce qui va être dégueu, c'est ce que moi, je vais rajouter autour, en vrai. C'est bien dommage. Alors, ce qu'on va faire... Bon, voilà, j'ai déjà une première étoile. On va dire que c'était pas bien compliqué. Attraction à sensation forte. Blop, je vais y arriver. On va mettre ça ici. On va placer l'entrée ici. Et on va placer... une sortie ici. Et donc on va aller dans les allées. File d'attente. On va reprendre la grise. On va la mettre là. On va retourner dans les allées. On va reprendre celle-là. Mais non, qu'est-ce que tu fais toi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande allée comme ça. On va aller par ici. Voilà. Je vous fais vraiment ça à la nique. Hein. Là, y a des gens qui doivent se... avoir envie de se suicider très clairement en me voyant faire ça. En se disant que je suis très mauvais.
Et vous n'avez pas tort. Pouf. On fera du décor après. Moi, ce que je veux regarder, c'est ce que ça va donner ici. Et là, en boutique et service, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des premiers secours, j'en ai pas. Dans autre, il n'y a rien. On peut personnaliser des boutiques. Ouais, mais c'est mieux de mettre des trucs en rapport avec... Par contre, on n'a pas de truc de... De souvenir. Ça, c'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Lancer la recherche. Premier secours. On peut peut-être pas lancer sur tout ce qu'on veut. Sur le marketing, on peut... Lancer une campagne marketing. On va faire un truc comme ça. Il y a du bruit derrière moi, c'est un chat. Bon. Après, on... C'est quoi celui-là? Ah, c'est lui. Bah, je l'ai pas ouvert. Ah non, je l'ai pas ouverte. Bon, c'est ouvert. Après, on fera vraiment, dans une autre vidéo, la visite d'un parc, d'un vrai parc, bien fait et tout. On fera des visites de parc, je pense. Comme ça, je donnerai leur pseudo et tout en même temps. Et puis, voilà, je montrerai leur parc. On fera peut-être ça. Et on fera le tour des attractions et compagnie. Et je pense que ce sera plus intéressant que quand c'est moi qui montre des trucs comme ça. Et qui montre un peu mon très mauvais... Mon très mauvais skill, on va dire. En même temps, je suis pas vraiment habitué encore au jeu. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Roller Coaster aussi, donc j'avais à un moment donné, j'avais eu l'idée de vous faire une série sur Roller Coaster Tycoon 3. Et puis, on va dire que j'ai abandonné l'idée parce que j'avais essayé quelques petits trucs avant, mais j'ai pas, disons que j'ai pas assez d'idées et tout pour faire un truc joli et tout en même temps. Enfin, donc j'ai préféré pas faire ça parce qu'il y en a beaucoup qui m'auraient dit que je fais de la merde. Et qui auraient pas eu tort d'ailleurs. Donc voilà. J'ai préféré ne pas le faire. Bon bah c'est bien, il va peut-être y avoir moins de queue là-bas du coup maintenant vu qu'il y a une autre attraction. Attendez, on va y aller. Et on va voir ce que ça donne que ce truc. À mon avis c'est encore un truc dans lequel je vais crever si je grimpe, mais bon. C'est assez sympa graphiquement. Bon après c'est pas le jeu qui est super beau machin et tout, mais c'est pas vraiment le but, mais c'est quand même sympathique dans l'ensemble. Oh là là, oui. Effectivement, j'en ai déjà le vertige là. Vous me mettez ça en VR, je pense que je suis pas bien déjà. Oh la vache. Ah ouais, vous me mettez ça en VR, je pense que je suis pas bien déjà. Alors imaginez en vrai, je serais plus que pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est plus accessible? Ouvert, ouais, ok. En fait, j'avais pas vu qu'il y en avait un de l'autre côté aussi, un chiotte là. Du coup, faut peut-être que je fasse un... Une allée, ça serait pas mal. Quelle connerie quand même. Ah, c'est pas du tout design, hein. Ça.
Et très long. Bah ouais, je sais, je sais, je sais. Mais là, je vois pas trop comment faire autrement. Attraction. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, hein. Mes plans, ouais, parce qu'après, on peut construire soi-même. On peut construire soi-même les trucs aussi. Mais comme vous vous en doutez, j'ai absolument pas... Ah non, mais ça c'est le même truc que j'ai déjà mis avant. J'ai absolument pas le niveau pour faire ça. Allez, on va mettre un petit truc de tasse là. Allez, on va mettre une file d'attente. Putain, c'est con ça. Pourquoi je ne peux pas faire ça? C'est complètement con ce truc. Bon bah c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La deuxième étoile, ok. Bon. Pourquoi pas. Notez que je fais... aucune déco, enfin... Je fais vraiment aucun effort, là, pour le coup. Pour que ce soit... Pour que ce soit joli, hein. Vraiment. Ce sera quelque chose à habiller un peu plus tard. Mais là, déjà, juste la disposition des trucs et tout ce que j'ai fait, déjà, c'est n'importe quoi, hein. Clairement. C'est n'importe quoi. Et là, j'ai des tasses qui ont aucun design pirate et tout. Enfin, elles sont vraiment dégueu, mes tasses. Hein. Ah, attendez, on peut les changer. Ah, c'est la musique de l'attraction. On peut pas changer l'attraction elle-même à part les couleurs. C'est bien dommage. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment, de toute façon, comme je vous le dis, de la découverte. Hein. Donc, je suis en galère. Mais c'est pas bien grave. On verra bien ce que ça va donner, là. C'est pas très beau. Ça n'a rien à voir avec les pirates, mais bon. Donc les gens s'amusent, c'est le principal. De nombreux visiteurs ont soif. Boutique et service. De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. On va mettre un petit truc de village. Ouais, on va mettre ça comme ça. Voilà, vous avez soif, je vous mets de quoi boire. Celui-là, on va le retourner. Voilà, on va le mettre ici. Allez, on met tout par ici. Effectivement. Je crois que les gens avaient soif, effectivement. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais effectivement, les gens avaient soif. On est à combien de temps là? 30 minutes? Bah écoutez, je pense que là, on va faire un petit tour de celui-là.
C'est quoi ça? Voilà. On va faire un petit tour de celui-là et puis on va s'arrêter là-dessus. Hein. Ça en VR, là, ça pourrait être sympathique, éventuellement. Et on s'arrêtera là-dessus pour cette vidéo. J'aurais été content de vous faire parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de vidéos ou quoi sur le jeu. Donc, enfin, tout le monde a fait du FF, tout le monde va faire du FF ou des trucs comme ça là. Donc moi je suis content de vous faire autre chose, on va dire. C'est fini là? Ok. Bon bah écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Comme ça vous avez vu un petit peu au moins à quoi ça ressemble. Pour ceux qui avaient adoré Roller Coaster Tycoon 3, très clairement, je pense que là vous pouvez foncer sur celui-là. Vous serez pas déçus, hein, très clairement. Vous ne serez pas déçus puisque c'est exactement le même genre. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc on va s'écarter un petit peu parce que la musique, bon, elle est sympathique au début, mais elle me saoule un peu là. Donc bon, voilà. C'est la même veine, le même style. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais moi je pense que ça peut être plutôt sympa. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine et on va se retrouver très très vite là, dans les jours à venir, il va y avoir pas mal de petites vidéos. Donc je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.